Et putain, d'ailleurs, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais là-bas, c'est que des voitures de débiles, bien sûr, aux États-Unis, c'est des... C'est... qui a la plus grosse. Et une fois, quand on était à un feu rouge, il y avait un camion à côté de nous. Et sur ce camion, messieurs, dames, il y avait... Je sais pas si on va bien voir à l'écran. Mais il y avait ça sur les roues. Le mec, il s'est cru dans Mad Max. C'est trop... Mais en vrai, j'étais en mode, mais c'est pas possible que ce soit légal. C'est pas possible. Même aux States, c'est pas légal d'avoir ça. Je veux dire, c'est... on est où, là? Mais je me dis, mais c'est super dangereux. Enfin, il va crever tous les pneus de gens qui s'approchent un tout petit peu près, quoi. Ouais, c'est les pneus custom dans Saints Row. Mais vraiment, le mec est fou, quoi. C'est le but. Non, bah oui, je me doute bien que c'est le but. Mais j'ai du mal à croire que ça puisse être légal, voyez-vous. Ça, c'est l'Amérique, mon gars, exactement. C'est vrai, hein. Mais je me disais, même là-bas, c'est pas possible d'avoir ça, quoi. Au pire, il aura un procès et finito. En plus, là-bas, t'as une grosse culture du procès. Et ça se voit, un truc de fou. Le nombre d'affiches dans ce pays, en tout cas, enfin, les deux fois où je suis allé aux États-Unis, c'était à chaque fois pour aller en Californie et dans le Nevada. Donc, je suis jamais allé ailleurs aux États-Unis que dans ces deux États-là. Et il y a un nombre d'affiches pour des avocats, voilà, d'avocats comme Better Call Saul, exactement. Des affiches pour des avocats, mais un nombre hallucinant, quoi. C'est un truc de fou. Il y en a partout. Oui, la justice, c'est un port national là-bas, complètement. Ça, c'est clair, hein.